Allô, Bonjour, ça va? comment allez-vous? Ah, je les entends, ils disent tout le temps ça va bien. Oui, Non, ça va oui, mais c'est super sûr. Quand ils nous voient, il faut que ça aille bien. bien. C'est sûr. Là. Nous, on est là pour vous remonter le moral aussi. Oui, et puis il fait beau, Oui. hein? Beau temps, beau soleil, de temps en temps quelques nuages, mais c'est pas grave. Alors on est où? On est à Saint-Donat. Saint-Donat, Dans la Naudière? dans la Naudière, oui, c'est ça. On a loué un chalet pour 4 jours. Alors, on est arrivé Dimanche, à notre anniversaire de mariage. dimanche. Et puis on est là. Alors, pour faire un petit peu de peinture sur le motif, on a fait quelques vidéos pour YouTube, pour la formation en ligne. Il n'y a pas vraiment de vacances pour nous, hein? Non, On on travaille tout le continue. temps. Mais non, ben, c'est pas des Mais c'est vacances. du C'est pas, plaisir, moi, c'est c'est du ça, c'est plaisir. pas forçant, c'est du plaisir. Hier, je le regardais peindre ses toiles, là, puis wow. C'est ça, elle dit, elle me regardait, mais en vérité, elle m'admirait. Merci beaucoup pour tous vos vœux pour notre anniversaire de Oui, merci mariage. infiniment. Merci. Merci aussi pour Samy. Samy, il a beaucoup apprécié sa petite expérience avec nous, Oui. sauf avec les maringouins, Les là, les moustiques. moustiques, Parlons-en pas, parce que même ici, là, au chalet, là, c'est fou, les moustiques, les là. Oui. mouches noires, Mais là, on se met de la crème, les là. mouches à chevreuil, les thangs. Il y a tous les insectes. Mais ça qu'on n'a pas quand on va dans le spa. Non, c'est pas, parce qu'on y va plutôt la nuit aussi, il faut dire. Hein. Moi, ouais, mais il dort, Oui, n'est-ce pas? n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hier, il faisait des rythmes là, avec des chiffres et ouais, non, Des jeux de mots, de des quoi jeux de ça? mots. Oh Oui. mon Dieu! En tout cas, une chance qu'on n'a pas de voisin là-bas parce qu'il m'a entendu rire. Vous savez comment que je Oui, hein, ris, quand hein? elle rit, elle rit. Harry. J'ai pas de feuilles aujourd'hui. Oui, on n'a pas de feuilles, on n'a J'ai pas mon d'imprimante cellulaire, ici. c'est Et ça. l'expérience à ce chalet-là, côté Internet, elle n'est pas terrible. Hein? Oh Non. là là, on avait 0,01 mégabits à la seconde. On n'a même pas accès à un téléphone, Oui, même s'il il y n'y a a une pas de réseau urgence, il n'y a pas téléphone, non. de réseau, fait qu'on est On laissé à nous-mêmes. ne s'y attendait pas, parce que sur l'annonce, il y avait marqué que le chalet était loué avec le Wi-Fi. Puis, non, il est nul. Hein. Ouais. Oui, il y a le réseau dans le chalet, mais l'Internet, il ne rentre pas. Il y a des soucoupes satellites, là, mais Même non. pour travailler avant-hier, il a fallu venir ici. Oui. Avec nos téléphones, là, ça fonctionne à l'extérieur. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé à partir d'ici, À à l'ordinateur, l'ordinateur pour répondre aux sur le questions. gazon, sous les arbres. Oui, j'ai pris une photo de toi aussi. Oui. Alors, on a combien de questions aujourd'hui? Je pense, 11 ou 12. 11 ou 12 questions. Bon, 11 ou on va y 12. répondre. Oui. Fait qu'on va commencer avec Micheline. Bonjour, Micheline. Bonjour Micheline. On parlait du gras sur maigre. La question. Quel est le temps de conservation de ce mélange ou à quel moment doit-on le changer si pendant quelques semaines on ne l'utilise pas? Oui, c'est une très bonne question parce que j'ai vécu des expériences avec ça. Donc, lorsque vous faites vos mélanges pour la peinture gras sur maigre, c'est-à-dire un flacon avec du numéro 1, avec 25% d'huile de lin, 75% de diluant à peinture. Le flacon numéro 2, c'est 50% d'huile de lin, 50% de diluant. Et le flacon numéro 3, qui est de 25% de diluant à peinture et 75% d'huile de lin. Donc on a nos trois flacons, puis on va les utiliser au fur et à mesure, petit à petit. C'est sûr, on met quelques gouttes. Hein. Le numéro 1, il va partir plus facilement, plus vite, parce qu'on en met plus, on peint plus liquide, c'est une première couche. Le numéro 2, on va en utiliser, on va dire, moyennement, parce qu'on fait beaucoup de deuxième couche, on peint lentement, on peint beaucoup pour une deuxième couche. La troisième couche, on va quasiment pas s'en servir, c'est très occasionnel. Et donc ces flacons, on va les garder parfois très longtemps. Alors moi, l'expérience que j'ai vécue avec ça, c'est que si jamais le flacon est trop gros et pas assez plein, donc il contient beaucoup d'air, la partie huile de lin à l'intérieur va durcir, va s'oxyder. Alors c'est sûr que dans le flacon numéro 2 et numéro 3, ça va s'oxyder beaucoup plus que dans le numéro 1. Dans le numéro 1, là, il ne va rien se passer, on va pouvoir le garder très très longtemps parce qu'il y a très peu d'huile de lin. Et le diluant à peinture, si c'est bien étanche, bien fermé, il ne s'évaporera pas. Mais dans le numéro 2 et numéro 3, ce qui se passe, c'est que l'huile de lin, au contact de l'oxygène, va s'oxyder. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est que c'est devenu comme une espèce de galette d'huile de lin qui s'est retrouvée donc au fond du pot ou à la surface, je ne sais plus. Oui, à la surface, je pense. Et ça s'est comme séparé entre le diluant à peinture et l'huile de lin qui a durci. Donc là, c'est sûr que
si je continue à l'utiliser, ben, il n'y a plus d'huile de lin dans le diluant, elle est dure, donc ça ne respectera plus le gras sur maigre. Alors c'est ça qu'il faut surveiller, il faut faire attention à ça, dès que ça commence à devenir, l'huile de lin commence à se séparer du diluant à peinture, c'est là où il va falloir le changer, on va dire que son état de conservation est arrivé au bout. Mais sinon, si ça ne se produit pas, il n'y a pas de limite, vous pouvez le garder autant que vous voulez. J'avais remplacé ces flacons-là après par des bouteilles en plastique avec une pompe. Et ce phénomène ne se produisait plus à ce moment-là. Non, c'est vrai, à l'atelier. Là, ouais. Mais peut-être aussi qu'on avait un peu plus de débit, ça partait plus souvent, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne s'est plus produit avec un flacon à pompe, une bouteille. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, tout ce que je sais là-dessus. OK, on continue avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour René, Linda et toute l'équipe. Toute l'équipe. Les oiseaux, les écureuils. Non, c'est ceux qui travaillent en arrière de nous. Oui. J'ai une question concernant la peinture à l'huile et le travail par couches successives en plusieurs séances. Est-ce qu'il est possible d'utiliser du fast drying médium pour que la première couche sèche plus vite ou ça risque de poser des problèmes pour faire sécher l'ensemble du tableau par la suite? Il dit qu'il travaille avec de l'huile hydrosoluble, mais mettre beaucoup d'eau rend bizarrement les séchages plus lents, un peu plus d'une semaine. Ah oui. C'est ça, si vous utilisez le médium à séchage rapide, moi j'en ai, je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois seulement. Effectivement, ça sèche plus rapidement, mais alors je ne sais pas quelle est la composition de ce médium à séchage rapide. Est-ce que lorsqu'on l'utilise, on doit respecter le gras sur maigre? Là, vous parlez d'une peinture hydrosoluble, vous utilisez de l'eau aussi pour la diluer. Alors, ça devient compliqué tout ça. Hein, je pense que si vous utilisez le médium à séchage rapide pour chacune des couches de peinture sans ajout d'eau, sans ajout de diluant ou sans ajout d'huile de lin, vous allez certainement pouvoir superposer vos couches, sans aucun problème, je pense, parce que le séchage est vraiment rapide. Et si c'est rapide, donc ça veut dire que ça ne mettra pas 9 mois, 1 an à sécher dans toute l'épaisseur. La peinture, c'est certainement plus rapide que ça. Et forcément, ça n'est plus une question d'oxydation de l'huile de lin au contact de l'oxygène. Parce que le gras sur maigre, c'est ça finalement, c'est pour régler le temps de séchage par rapport à l'oxydation de l'huile de lin en contact avec l'oxygène. Et le gras sur maigre va permettre aux couches inférieures à sécher plus vite que les couches supérieures. C'est ça le but. Mais quand on utilise ce genre de médium, ça n'est plus le cas. C'est comme si on utilise du liquin, un médium alkyde ou de l'eau avec la peinture soluble à l'eau. Selon moi, il n'y aurait pas d'importance à utiliser, donc ça serait bien d'utiliser le médium à séchage rapide à chaque couche de la peinture. Oui, et ça sèche vite. J'ai remarqué, moi, je pense que quand je l'ai utilisé, 2 jours après, c'était sec. Mm-hmm. Ouais. OK, on continue avec Ajar. Bonjour Ajar. Bonjour Ajar. Je t'habitue de regarder là, c'est là. Une toute petite caméra. Non, mais là, c'est les oiseaux que je regarde. OK, lui, il demande si on n'a pas de toile. Oui. Sur quoi qu'on peut peindre avec l'acrylique? Avec l'acrylique, si on n'a pas de toile, on peut peindre sur du carton. Moi, j'ai fait des tableaux sur du Bristol, carton Bristol, à condition d'utiliser au moins 2 couches de gesso avant sur ce carton-là pour le rendre imperméable. J'ai utilisé, vous savez, j'ai acheté à un moment donné à rabais dans les magasins matériel d'artiste ce fameux carton passe-partout. Vous savez le passe-partout qu'on met autour d'une photo, autour d'un pastel ou d'une aquarelle? Bon, mais le passe-partout, ils achètent ça en grandes feuilles et puis après ils vont le découper. Et des grandes feuilles, des fois, il y en a qui sont un petit peu abîmées. Le blanc est taché. Vous voyez, la surface est tachée, salie, abîmée. Et puis, je me rappelle, j'ai séché de serre. À l'époque, c'était Homer de serre. J'achetais ça. Donc, en feuilles, mais à rabais parce qu'ils ne pouvaient plus l'utiliser comme passe-partout. Alors, c'est intéressant parce que c'est un carton qui est très épais, très rigide. Et donc, je mettais 2 couches de gesso là-dessus, puis je pouvais peindre. Et ça, c'est un conseil qui m'avait été donné par Jacques Clément, avec qui j'avais suivi des ateliers spéciaux, là, des ateliers de modèles vivants et de peinture de paysage sur le motif au bâton à l'huile. Ah, oui. Ouais.
Et oui, c'est ça. Ben, on apprend, hein, on apprend beaucoup avec les artistes aussi. Hein. Alors, on peut peindre là-dessus du carton, pourvu que ce soit assez rigide. Hein. Vous avez aussi les. Excuse-moi, oui. Il y a des cartons que, me semble, qu'on avait à l'atelier qui étaient comme luisants aussi. On peut? Ça va-tu adhérer? Oui, ben ça, c'était du Bristol. Oui, le Bristol, ça marcherait, mais il est plus mince, le Bristol, par contre. Ouais. Il est plus mince, puis il faut bien sûr appliquer au moins deux couches de gesso dessus. D'ailleurs, le Bristol, on s'en servait beaucoup pour peindre à la gouache dessus. Hein. Et puis, il y a ces fameuses feuilles de papier toilé qu'on achète en tablette, qui sont faites pour peindre à l'huile ou à l'acrylique. Puis, vous pouvez peindre aussi sur de l'isorel, du panneau isorel, maçonnite, panneau de bois, de contreplaqué. Toujours pareil, il ne faut pas que le bois soit absorbant, il faut appliquer au moins deux couches de gesso pour le rendre imperméable avant de commencer à peindre. Vous savez, il n'y a pas de limite, ça peut être du carton ondulé, hein. C'est une boîte d'emballage de carton ondulé, ça fera très bien l'affaire. Mais par contre, c'est un peu fragile, si vous vous appuyez dessus, ça peut creuser. Hein. Vous pouvez peindre sur votre femme ou votre mari. Là. Oui, ça c'est du body painting. À l'acrylique, voilà. Non, j'aimerais mieux te peindre à l'huile. Oui, ok. Mais oui, tu ne trouves pas que je suis déjà assez gras comme ça? Ça y est, elle est partie. Bon, oui, ça se voit. Je le regarde, là, on n'est plus bronzé du non, tout. Non, on a perdu le bronzage. On a perdu notre bronzage. J'ai vu de la peinture sur assiette, j'ai vu de la peinture sur tuiles d'argile, mais là, ça devient peut-être un peu plus de l'artisanat. Hein? Oui, oui. Sur des pierres, on a vu sur des pierres aussi. Hein? Une dalle d'ardoise, pourquoi pas? Mais c'est ça, ça devient de l'artisanat. C'est ça, c'est pas sur des feuilles. Là. OK, on continue avec Nathalie. Je pense que c'est Nathalie Guerra. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Nathalie, Nathalie. 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 Bonjour. Excusez. Bon. Elle va reprendre. Ouais. Bon. Le médium flamand ne reste-t-il pas trop épais à travailler? C'est ça, ça c'est Linda et sa personnalité. C'est le mot épais qui la fait rire. Parce que épais au Québec, ça veut dire idiot. Oui. OK, bon. Bon. Allez. OK. Le médium flamand ne reste-t-il pas trop épais à travailler? Si oui, puis j'ai rajouté un médium un peu plus liquide. Oui, le médium flamand, non, il n'est pas trop épais à travailler. Il paraît épais lorsqu'on va le sortir du tube, du flacon, mais une fois qu'on le mélange à la peinture, regardez comme il devient plus fluide. Mmh. Pour moi, personnellement, j'en ai utilisé, il me paraissait vraiment pas trop épais. Maintenant, c'est... es-tu épais, lui? On parle du médium flamand. Oui. Mais... ça ne vous empêche pas, si vous voulez, de rajouter un petit peu de diluant à peinture ou un petit peu d'huile de lin ou un petit peu un mélange d'huile de lin et diluant à peinture. On a le droit. Oui. On continue avec Géo. Bonjour Géo. Bonjour Géo, excuse-moi. Est-ce que vous mettez du médium à peindre ou c'est direct en sortie de tube? Couche sur couche, excusez. Il y a du soleil sur l'écran. Se sont préoccupés du gras sur Meg. Alors, Géo nous a dit son vrai nom, son prénom, un autre message. Oui, oh, je l'ai oublié, excusez-moi, je ne m'en rappelle plus. Elle avait signé sa question, je ne le sais plus, son prénom. Ben, c'est une femme au moins. Oui, c'est ça. Sais, oui. C'est redis-moi femme. La question. OK, excusez là. Je l'ai oublié. Épais. Est-ce que vous mettez du médium à peindre ou c'est direct sorti du tube, couche sur couche, sans se préoccuper du gras sur maigre? Ah, ça, peut-être qu'elle parle par rapport à une démonstration que j'aurais faite. Oui. Hein? Oui. Ben, moi, généralement, je peins quasiment jamais avec la peinture sortie du tube. Comme ça. D'ailleurs, si je peins à l'huile, on parle de l'huile, j'utilise ma peinture Gamblin. Ma première couche, ça sera toujours dilué avec du diluant à peinture pour un séchage rapide de quelques minutes. Ma deuxième couche, ça sera toujours additionné d'un médium. Généralement, j'utilise le Galkid de Gamblin, donc un médium alkyde de Gamblin qui s'appelle Galkid. Ou bien, si j'en ai pas, comme ça m'est arrivé pendant une période, j'utilisais du lichen pour les détails.
qui ressemble vraiment au Galkid aussi au niveau de sa texture. Donc ça le lichen, il me pas original, c'est ça. Pour détail, il ne fait pas de transparence comme le lichen original qui est plus comme un gel. Donc il est plus facile à utiliser, beaucoup plus liquide. Il suffit d'en mettre quelques gouttes, ça suffit. Je peins comme avec du Galkid, pareil. Ça sèche aussi vite. Le résultat est identique. Donc non, je ne peins jamais avec la peinture pure. Et à un moment donné, ben moi je peignais avec la méthode gras sur maigre, comme je l'apprends à tout le monde, comme je conseille de le faire, c'est-à-dire, comme j'ai dit à la première réponse des questions, là, les proportions pour le numéro 1, 2 et 3, je peignais comme ça. Sauf que ça prend au moins une semaine de séchage tout le temps, peu importe la couche, la première, deuxième, troisième, c'est toujours une semaine de séchage au minimum. Et maintenant qu'à cause des tournage de vidéos, des cours en vidéo où je dois peindre plus vite, plus rapidement, plus longtemps, plus souvent. Je peux faire trois tableaux dans une semaine là. Mais je peux pas m'amuser à avoir des temps de séchage trop longs parce que chez moi j'ai pas la place pour faire sécher tous ces Oh tableaux-là. mon Dieu, non, Pour ouais. moi, il faut que ça sèche vite là, de demain après-demain maximum, il faut que ce soit sec. Je la laisse sur le chevalet, notre chevalet, que celui où je peins. Puis 3 jours après, ça y est, hop. Je la mets dans mon petit studio, là, un petit débarras que j'ai à côté de mon atelier. Et là, je les stocke les unes contre les autres. Ça arrive des fois qu'il y en a qui collent un peu, mais bon, c'est les risques Musique. de la méthode. Ouais. OK, continue avec Louise. Bonjour Bonjour Louise. Louise. Est-ce que nous sommes obligés de toujours peindre le fond d'une toile avant de commencer notre tableau? Non. Non, on n'est pas obligé. C'est conseillé la plupart du temps, mais pas toujours, parce qu'il y a toujours des exceptions où là, au contraire, moi, ça m'est arrivé de peindre sur la toile blanche parce que j'avais besoin de ce blanc-là. J'en avais vraiment besoin pour générer une luminosité par transparence. Donc, il y a des cas où il vaut mieux que ce soit pas teinté, mais c'est assez rare. La plupart du temps, c'est mieux si vous teintez votre tableau. Je vous donne rapidement la raison, l'avantage, c'est que si vous peignez sur une toile blanche, tout ce que vous allez poser sur votre tableau au début qui sera foncé va paraître très foncé. Tout ce que vous allez poser qui doit être très pâle vous paraîtra moins pâle. Donc c'est pour la raison, c'est de bien évaluer les valeurs. Mais si vous avez un tableau qui est une toile sur laquelle vous commencez à travailler, qui a un fond coloré neutre, ni trop foncé, ni trop pâle, vraiment neutre. Ben, quand vous allez apposer vos foncés, ils vont vous paraître le bon ton de foncé par rapport à ce que vous voulez, et les pâles, c'est pareil, le bon ton de pâle par rapport à ce que vous voulez. Vous ne serez pas influencé par cette blancheur de la toile. Imaginez un petit peu partir sur une toile blanche quand vous peignez dehors et qu'elle est en plein soleil. Là, c'est fini, vous voyez plus ce que vous faites. On ne peut plus voir ce qu'on est en train de faire, alors que si on met une tonalité neutre, ça va vraiment beaucoup nous aider. Et après ça, bon, ben, la tonalité est neutre, c'est très bien, mais après ça, la couleur peut être très, très intéressante. La couleur d'un fond, ça peut être la couleur dominante de notre tableau. Comme ça, on va gagner du temps. Il y a des endroits où on n'aura pas besoin de peindre, on verra le fond à travers, ça va faire l'affaire. Ou au contraire, la couleur complémentaire de notre dominante, qui peut être intéressante aussi pour amortir un petit peu ces couleurs trop intenses de notre dominante. OK, on continue. Excusez, je vois mal avec. OK. On continue avec Roberta. Bonjour, Bonjour Roberta. Roberta. Concernant la reproduction des tableaux de maître, est-ce qu'on doit prendre soin de ne pas avoir le même format, la taille originale? Et comme le font les copistes qui travaillent dans les musées? Comment font les Comment font copistes les copistes, oui? qui travaillent dans les musées? Alors, la première question, normalement, légalement, effectivement, il faut qu'on utilise un autre format que le format original pour pas qu'on soit accusé de faussaire. Cependant, moi j'ai peint la C'est Joconde ce que j'allais dire. dans le même format que l'original. Le même. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour en allant au Louvre, on fera un échange. Non, mais là, on ne pourra pas m'accuser de vouloir être faussaire, étant donné que on sait très bien que la Joconde est sur un bois d'une essence spéciale. Je pense que c'est je ne me rappelle plus. Du peuplier. C'est du peuplier. Moi, je fais ça sur du. C'est quoi que j'ai acheté comme bois? Ben, c'est du.
Du MDF, je pense. MDF, c'est que MDF, c'est c'est un comprimé de bois moderne, là, tu sais. C'est que, ne serait-ce que par le support, déjà, on ne me prendra pas pour un faussaire, ça, c'est certain. Mais oui, donc la règle, c'est ça, c'est de pas prendre la taille originale pour pas être accusé éventuellement de vouloir faire une copie et faire croire que c'est un original. Voilà. Imagine-toi si quelqu'un vient nous prendre chez nous, vient de voler. Il fait, oh, la Joconde! Ah ben oui, Ils vont partir avec. on l'a pas assuré pour son prix, par contre. Non. Et l'autre Puis, question, l'autre question, c'est... comme le font les copistes, comment font les Oui. copistes qui travaillent dans les musées? Les copistes qui sont dans les musées, en fait, je suppose, je n'ai jamais rencontré un copiste au travail, là, mais je suppose qu'eux aussi, ils travaillent certainement sur des formats un peu différents. Parce que, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils copient, mais si vous copiez, vous allez au musée pour copier un Vermeer, il n'y aura pas de problème pour transporter le tableau, c'est des tout petits formats. Mais si vous voulez copier, je ne sais pas, moi, le mariage de Napoléon, là, ça sera pas facile à transporter, c'est certain. Non, il y a des très grands tableaux, alors si vous voulez les copier dans leur Mon format Dieu. original, à mon avis, c'est pas faisable, là. Je sais pas, je pense que les copistes, ils sont là pour analyser, à étudier la technique du maître qui a fait la toile originale, plus que pour réellement faire une copie exacte. J'ai jamais vu personne ou entendu dire, tiens, il nous vend la copie de tel tableau. C'est un copiste, il a fait ça à la perfection. Je ne sais pas si ces artistes-là vendent leurs œuvres dans ce sens-là. Je ne sais pas du tout. Si vous avez des informations, vous, on serait très très heureux si vous les mettez dans les commentaires sous la vidéo. Je suis très curieux. J'aimerais savoir. Ouais. Cette question a réveillé en moi une certaine curiosité. On était trop curieux. Ben, imaginez quand on était, il y a 2 ans, quand on était au Louvre, 2 ans, 3 ans. Ensuite, Ça fait un moment, non, plus que ça. ça fait 2, 3 ans. 4 ans? Non, 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 on était au Parce Louvre. que là, la COVID nous a complètement C'est débalancé, hein. ça. Puis, Non, parce qu'en 2019, quand en est-ce qu'on était décembre, on était voir? à Nantes, OK? Ben, c'est lui Mais que non, c'est j'étais. pas là. Non, non, c'est pas quand on était à Nantes. Oui, ben, on était au Louvre aussi. On était voir Ah oui, la. c'est là, oui, tu as raison. Oui, C'est en oui, oui. 2019, donc en novembre 2019. Bon, quand on Oui. était là, au Louvre, là, j'ai photographié René là, à côté d'un tableau. Mais je vous dis, là, il paraissait minuscule. Ah oui, ils sont grands les tableaux Ah, là. ils sont énormes. Je sais pas comment. Ben, je m'en doute comment ce qu'il faisait, là, mais apportez jamais un tableau comme ça pour peindre parce que vous en avez pour des années. Oui. OK. Ah, ben, okay, on parle de la Joconde en plus. Lucie, bonjour Lucie, bonjour Lucie. Lucie. Bonjour, je voudrais peindre la Joconde. Quel cours acheter dans notre formation? Dans la formation, c'est peindre à la manière des grands maîtres. C'est dans peindre à la manière des grands maîtres qu'il y a peindre à la manière de Léonard de Vinci, et c'est là où j'ai mis le cours sur la Joconde qui dure très longtemps, très 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 longtemps. Je montre toutes les étapes, une par une, depuis on va dire le Dessin. traitement de la toile, du support, le dessin et les couches, mais c'est fait comme morceau par morceau. Tu sais, je vous montre comment on fait les mains, comment on a fait le visage, l'arrière-plan. Chaque chose en son temps. Et la superposition des couches de glacis pour tranquillement arriver à ce résultat-là des couleurs de la Joconde, puis on va dire cet aspect un petit peu velouté que vient apporter la technique du glacis. Et pour ce tableau-là, étant donné que la Joconde, nous la connaissons comme on la voit aujourd'hui, on ne la connaît pas comme elle était. Au moment où elle a été faite, il y a 5 siècles. Donc, nous, on la voit un petit peu jaunie. Ben moi, je finis à la fin avec un petit glacis pour rendre cet aspect jaunâtre un petit peu du vieux tableau. Mais par contre, je n'ai pas fait les craquelures. Non. Non, là, ça aurait été vraiment chercher à être faussaire, là. Hein? Oui, ça, oui. Oui. On aurait eu des accusations. OK, on continue avec Gilles. Bonjour, Gilles. Bonjour, Gilles. J'ai fait une peinture acrylique sur du papier spécial acrylique, mais je souhaiterais encadrer cette peinture. Oui. Quel est le meilleur moyen? Le meilleur moyen, ça serait ben, de maroufler donc ce papier sur un support rigide,
de l'isorel, maçonnite. Oui, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Alors, le marouflé, avec quoi? Ben, moi, j'utiliserai, c'est certain, du médium gel acrylique que j'appliquerai donc à l'endos de du papier entoilé. J'appliquerai du médium gel acrylique. Je viendrai l'appliquer sur mon support rigide, donc l'isorel. Et puis, je chasserai un petit peu les bulles du centre vers les côtés. Faites très attention de ne pas mettre du médium gel sur le dessus de l'œuvre, vraiment uniquement en dessous. Et une fois que ça s'est bien fait, qu'il n'y a plus de bulles d'air en dessous, je mettrai un poids, hein, sur on va dire sur l'œuvre, et on laisse sécher ça une nuit. Puis vous allez voir que c'est vraiment rigide, c'est vraiment très bien collé, ça ne se décollera jamais, c'est impossible. Et donc vous vous retrouvez avec un support rigide, et là vous allez pouvoir l'encadrer comme on aurait encadré un carton entoilé ou un morceau, une toile peinte sur un panneau de bois. Et puis faites très attention, c'est ça, si vous mettez un poids dessus mais qu'il y a eu du médium gel, ça va coller là aussi, hein. Donc il faut vraiment qu'il soit uniquement à l'endos, le médium gel, pas sur le dessus. Ok. On continue avec Carole. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Je suis droitière. Oui. De quelle main dois-je tenir mon pinceau? Alors, de la main droite, généralement. Mais comme je l'ai dit dans certaines vidéos où on veut chercher à être plus créatif, où on veut trouver un style, où on veut se détacher de cette volonté de faire du réalisme et du détail, ça peut arriver que on prenne le pinceau dans l'autre main. Moi, je suis droitier, je peindrai avec la main gauche justement pour me laisser aller à la créativité, à l'exploration, toutes sortes d'affaires. Mais ça m'est déjà arrivé aussi de prendre le pinceau dans la main gauche pour faire un petit détail, quelque chose, où ma main droite était gênée, je ne sais pas, peut-être par le bord du tableau, par... Ça, je me vois le faire, ça m'est déjà arrivé, oui. Moi, je t'ai jamais vu avec Oui, la main de gauche. prendre la main gauche, je dis, bon, ben là, j'arrive pas avec la main droite, je sais pas moi, parce que pour X raison, puis là, je vais J'étais prendre la main gauche, stoppée tout. par la droite, c'est Oui, ça. c'est ça. Et là, je prends la gauche pour le faire, mais ce n'est pas très. Tu sais, on ne se sent pas complètement déstabilisé à ce moment-là. C'est pas pareil que d'écrire avec la main gauche quand on est droitier, c'est pas la même chose. Mais ça me peine. Je devrais essayer. Ben oui. Ok, on finit avec Steve. Bonjour Steve. Bonjour Steve. Est-ce que votre formation est bonne pour tous les niveaux? Oui, bien sûr, la formation, on parle de la peinture, c'est facile, la grosse formation énorme. Je dirais oui, mais bien entendu que si on est très très avancé, peut-être que tout ce qui est là-dedans, on le sait déjà. Hein? Peut-être. Mais je dirais, bon, tous les débutants, c'est sûr, de l'initiation, vraiment la personne qui n'a jamais peint de sa vie, qui veut commencer, qui veut apprendre les premiers pas, la formation, c'est vraiment l'idéal. Et donc, ce niveau-là des premiers coups de pinceau, souvent on nous disait comme à l'atelier, moi, ça sert à rien que je prenne des cours de peinture, je ne suis pas capable de dessiner un bonhomme allumette. Ah oui, c'est Hein? souvent. Voilà, souvent on nous disait ça, mais on disait, justement, alors, il n'y a personne au départ on va dire, qui est capable de faire un bonhomme allumette à un moment donné dans sa vie, t'sais, quand on est depuis la naissance, mais tout s'apprend. Hein? Et puis donc. D'ailleurs, même souvent, c'est mieux de partir à la base sans avoir eu, on va dire, d'autres expériences personnelles ou autres, ou avec des livres de recettes. C'est mieux de partir de la bonne manière, avec les bonnes bases dès le début. Et je pense que ma formation vraiment enseigne les bonnes bases pour les débutants de l'initiation jusqu'à très avancé. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas à l'initiation, mais qui a débuté, je pense, ça fait 6 mois que je peins, puis là, j'aimerais suivre des cours, ou bien j'ai suivi déjà des cours avec un professeur, puis là, bon, ben, je sais pas moi, il a arrêté de donner des cours, je voudrais continuer en ligne, est-ce qu'on peut? Oui, on peut. À tous les niveaux, je pense que la formation va être importante et il va y avoir des choses à apprendre, des choses qui vont vous permettre de progresser, de devenir meilleur, toujours en prenant du plaisir et en continuant de réaliser des tableaux. Il y a beaucoup de, on va dire, des cours dans la formation, comme les pas à pas, où je montre comment faire un tableau, ce tableau-là de A à Z. Et comme je le dis toujours à la fin de chaque cours, vous pouvez le faire, ce tableau-là, le même, mais comme vous pouvez aussi appliquer cette technique que je vous ai apprise dans ce cours-là, l'appliquer à votre propre sujet. Ça, c'est ce que je conseille, ce que je recommande d'ailleurs, c'est de voir
la vidéo, de voir le cours pour connaître et apprendre la technique, puis l'appliquer sur son propre sujet, c'est vraiment intéressant parce que vous allez avoir vous aussi votre œuvre originale, votre création peut-être, si c'est vous qui avez fait la photo, tout ça. Mm-hmm. C'est ça, c'est... Puis vous savez, hein, on n'arrête jamais d'apprendre. Bon, mais moi, bon, okay, je me considère comme quelqu'un qui sait déjà peindre, mais ça n'empêche pas qu'on continue à suivre des cours. Hein. On est allé il n'y a pas si longtemps que ça, suivre des stages, et puis... S'il n'y avait pas eu la Covid, on aurait suivi encore sûrement des cours, des stages. Il existe tellement aussi de techniques et de techniques nouvelles qui font qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre, jamais. Puis si vous êtes comme moi qui aime apprendre, qui aime toujours apprendre des nouvelles choses, ben, vous allez vous régaler parce que la formation en ligne à peinture, c'est facile. Je ne sais pas, il y a combien de cours maintenant, 370, je pense. Ça, il demandait combien de cours que y a... C'est pas une formation où on se dit, je la commence aujourd'hui, puis je la finis dans 6 mois, j'ai tout vu. C'est impossible parce qu'on rajoute des nouveaux cours chaque semaine, elle continue de grossir. Donc, c'est une formation, je vous dirais, illimitée en question de cours. De nombre de cours, de nombre d'heures. Il faut des années pour la parcourir au complet. Sauf que, ce ne sont pas tous les cours qui vont peut-être vous intéresser, parce qu'il y en a en peinture à l'huile, en peinture acrylique, il y en a en aquarelle, il y en a en pastel, il y en a en gouache, il y en a à l'abstrait, du paysage, il y a du portrait, il y a des natures mortes, il y a des fleurs, il y a des animaux. Donc si vous dites, moi là, les natures mortes, je ne veux rien savoir de ça, j'aime pas ça, ben, vous avez les autres sujets pour vous. Si vous dites, ah non, mais moi là, je ne suis intéressé que par le portrait, ben, vous avez du cours là-dedans pour vous, dans le portrait, il y a de tout. C'est pas seulement non plus à l'acrylique, ça peut être à l'huile. Mais c'est ça que je dis, oui, il y a tout. C'est parce qu'il y en a que parfois ils pensent que notre formation c'est seulement pour ceux qui sont à l'huile. Non, c'est à l'huile ou à l'acrylique. Il y a tous les médiums. D'ailleurs, on travaille là-dessus pour en ajouter des nouveaux encore, des nouveaux cours dans les médiums hors huile acrylique. Huile acrylique, il y en a pour des centaines d'heures. Ça, vous vous ennuierez pas là-dessus. Mais je reconnais que niveau aquarelle, pastel sec, pastel gras, gouache, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant. L'aquarelle, il y en a pas mal quand même, mais surtout pastel sec, gras et gouache, il n'y en a pas beaucoup. On pourrait même faire un jour du crayon de couleur, il y a eu déjà crayon aquarelle, j'en ai fait. Il y a plein d'insectes sur moi là, ça pourrait encore grossir comme ça, mais on veut que ça grossisse dans ce sens et on va bientôt, vraiment bientôt, intégrer des nouveaux professeurs spécialisés dans ces médiums-là. Parce que moi, comme je l'ai toujours dit, tu sais, l'aquarelle, ce n'est pas mon fort, ce n'est pas ma spécialité. Moi, c'est vraiment l'huile et l'acrylique. J'ai fait des cours d'aquarelle, il y en a dedans, puisque j'ai quand même peint en aquarelle, j'ai appris, j'ai peint à la gouache, j'ai fait beaucoup de gouache. Mais ce ne sont pas mes spécialités, alors j'en ai fait un petit peu, puis je laisse la place à d'autres. Et là, ces fameux autres, ils vont rentrer bientôt sur la formation. On est en train de finaliser avec des personnes, justement, déjà là, actuellement pour l'aquarelle et pour le pastel sec. Je ne vous en dis pas plus, mais il va rentrer des nouveaux professeurs. Et donc, ça va diversifier un peu tout, diversifier... les médiums, mais aussi les sortes de sujets, la personnalité, ça va être intéressant. C'est bien, ils vont arrêter de te regarder, ils vont regarder d'autres personnes. Là. Et puis, cette formation, la peinture c'est facile, et les autres cours qui sont autour, qui sont tous en satellite autour de ça, ce que j'aimerais, moi, c'est que ça continue, ça grossit, ça continue à vie, hein, éternellement, même après moi. Voilà. Donc, il faudra qu'un jour, petit à petit, je me retire de là. Doucement, hein, doucement, ne vous inquiétez pas, là, c'est pas demain, là, mais on ne sait jamais. Hein. On vieillit tout. À un moment donné, il faudra vraiment, vraiment prendre une retraite, hein, une vraie retraite. Peut-être que je rajouterai plus que, admettons, une vidéo par 3 mois ou par 6 mois. Mais nos vidéos comme ça, on pourrait continuer. Vous pourrez toujours nous voir. On verra, ça dépend. On verra. Si on est visible. Si à un moment donné, quand on n'est plus visible, on ne pourra plus nous voir. J'allais dire quelque chose. Non, ne dis rien. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'histoire. Ce qu'on pourrait faire maintenant, là, puisque tout est fini, là, mettre quelques petites images autour de notre chalet, ici, ouais, le coin, ouais, là, c'est joli. C'est un beau coin. Hein. Puis montrer notre chalet, où est-ce qu'on est, là, en même temps, là, les faire visiter. Là. On va vous faire visiter un petit peu
quelques endroits ici, là. Mm-hmm. Hein? C'est pour ceux qui ne connaissent pas la région, c'est vraiment beau. Puis il y en a qui me parlaient la semaine passée, Linda, pourquoi tu ne montes pas tes tableaux? Je vais les montrer, mais là, c'est parce qu'on venait ici, je ne pouvais pas les emmener. Oui, non. Quand tu seras à la maison, tu les montreras. Ouais, oui, j'en ai une couple, là. Pas beaucoup, là, mais j'en ai une couple de pas fini non plus, là, comme d'habitude. Mon lion, je n'ai pas fini encore. Oui. Mais non, je vais vous montrer ça. Oui, c'est bon. Me comparer à toi, je peux pas, là, mais... Ben, on ne se compare jamais. Personne ne doit se comparer. Hein, toi, tu as tes forces. Ouais. Moi, j'ai les miennes. Toi, tes faiblesses. Moi, j'en ai pas. Je n'ai plus de faiblesses. Fais attention. Ne parle pas de mes faiblesses en public, OK? Alors, on vous laisse là-dessus, sur ces belles images. Et on vous dit merci infiniment. Merci pour les pouces en haut, pour les partages aussi. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est vidéo, ben mercredi, n'oubliez pas toujours la vidéo du mercredi. C'est bon? Bye bye! Bye bye!